De tout temps, les mères ont protégé leurs garçons des tâches ménagères qui étaient réservées exclusivement aux filles. Voici quatre grands hommes qui ont connu les mêmes mésaventures et racontent leur histoire. Je voudrais pas être une femme que le ciel me donne, même si j'avais été bonne. Je préfère être un homme. Elles sont pas la partie belle. Faut toujours qu'elles soient nickel. Pour plaire à ces messieurs. Pour les moches, ils n'ont pas de yeux. C'est pas leur faute, c'est la faute à leur mère qui les ont choyés comme de vrais petits rois. Jamais de lessive, ni laver le parterre. C'est pour ta sœur, c'est pas pour toi. Et c'est en serrant les dents qu'elles nous feront de beaux enfants. Elles n'ont pas le plus beau rôle, lui ne pense qu'à son popol. Et elles se lèveront la nuit, lui n'entend rien par dire. C'est elle qui les a voulues, ces petits trous du cul. C'est pas leur faute, c'est la faute à la belle-mère qui les a pourris, gâtés, choyés comme des vrais petits rois. Jamais de lessive, ni laver le parterre. C'est pour ta sœur, c'est pas pour toi. Tous les jours faire la cuisine, d'y penser moi ça me ruine. Mettre les pieds sous la table, c'est quand même plus agréable. Attendre des compliments, qui ne viennent jamais évidemment. C'est la faute à la belle-mère, qui l'a trop pourri de chair. C'est pas la faute. C'est la faute à la belle-mère qui les a trop pourris, gâtés, choyés comme de vrais petits rois. Jamais de lessive, ni laver le parterre. C'est pour ta sœur, c'est pas pour toi. Mais les jeunes femmes sont pas d'accord avec ces machos, avec ces porcs. Elles essayent de les changer, alors ils deviennent des pédés. Et c'est pour ça que j'imagine qu'il y a de plus en plus de gouines.
mais elles élèvent leurs garçons. Comme leur mère, je sais c'est con. J'ai rien compris à la logique féminine. Elles veulent des maris attentionnés, mais elles élèvent leurs garçons comme des has-beens. Elles ont été mal programmées.